Un match là au Six Nations, on rentre à la mi-temps, le coach pas très content et en fait j'étais pressée. Je rentre, il commençait un peu à crier et je suis tombée en plein dans le vestiaire. Quand je faisais du rugby, donc j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 7 ans. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, ça faisait déjà quelques années que j'en faisais. Et du coup, j'ai dit bon bah stop, on va arrêter un peu et je vais partir dans le tir à l'arc. On a fait une tournée aux États-Unis. J'avais fait des commotions un petit peu avant. On est arrivé sur la plage pour faire un déverrouillage après le long voyage. Et on a fait un poule renard vipère. Et sur ce poule renard vipère, du coup, je me suis éteinte. Retour à la maison, j'ai fait l'aller-retour pour aller sur la plage aux États-Unis. Quand j'étais petite, ma mère, elle nous emmenait souvent nous entraîner avec elle. Je m'entraînais avec elle, on faisait un peu de contact. J'ai fait un raffus sur elle et je me suis cassé la main sur elle. C'était à quel âge que t'as fait du tir à l'arc? Je dirais vers mes 10 ans à peu près. Moi je pense que c'est ça. Moi aussi je pense. Ouais. Parce que San Diego, j'y étais moi et c'est aussi. Vrai. Ouais. Je suis sûre que ta mère elle est solide. Ouais, je pense que c'est elle aussi solide que toi, c'est sûr que tu t'es cassé la main. J'irais tir à l'arc. Je ne me suis pas cassé la main sur ma mère. J'ai commencé le rugby à 10 ans à peu près et j'ai toujours joué sous les couleurs rouge et bleu. Je suis partie en vacances en Thaïlande et je me suis retrouvée avec des petits requins. Donc j'ai nagé avec des requins. Il y a un match là aux Six Nations. On rentre à la mi-temps, le coach pas très content et en fait j'étais pressée. Je rentre, il commençait un peu à crier et je suis tombée en plein dans le vestiaire. C'était où ton premier club? Corbière 15. Ça c'est vrai, mais la suite c'est... C'est toi qui la connais bien. Elle a toujours joué la peau. Elle a toujours eu les mêmes couleurs. T'es une pote ou t'es pas une pote? C'est la première, je pense, qui est fausse. On te fait confiance. Non, j'ai toujours joué en rouge et bleu. Celle qui était fausse, c'est j'ai déménagé avec des requins parce qu'en fait, j'ai peur des fonds marins. Quand j'étais petite, j'avais un singe qui s'appelait Kiki. J'ai participé du coup à un rassemblement, un stage avec l'équipe de France. Moi, j'avais que 17 ans. En voulant plaquer, je me suis déboîté l'épaule et j'ai dû me faire opérer. J'adore les insectes. Ton lapin, il s'entend bien avec les insectes? Mon lapin, oui. Il les aime bien? Oui, mon lapin, déjà, elle court ses chats. Donc ça... ah. par contre, le singe, c'est vrai. Ah ouais? Parce qu'elle me l'a raconté. Et du coup, les insectes, tu les achètes toi? Chez toi? Dans une cage, ouais. C'est bizarre. Okay. Et t'as quoi comme insectes? J'ai des fourmis, j'ai des mouches. Vraiment, j'aime trop les insectes. Ouais, non, c'est j'aime vrai, la c'est nature. Ça. Non. Des mouches en cage. J'y crois pas trop. Et tu les nourris? Les mouches, ça s'en avec comment? Tu les nourris? Je mets tout, genre plein de nourriture, des verdures et tout. Bon, je crois que c'est faux. Ouais, moi aussi. Ouais. Je déteste. Merci pour votre soutien et rendez-vous cet automne. Merci, à bientôt.